De quoi tu parles? Généralement, on évite d'utiliser des sachets de thé pendant Shabbat, comme d'ailleurs les Ouais, il est sacrés. marmé, Ah, c'est-à-dire, c'est un nous, hasard. nous, on fait clich-clichy. Ouais. Un chichi pour le thé. Ah, tu fais pas chenille, c'est qu'elle Non, a non. bijou. Ouais. Clichy, lui, il est marmire. Il est recherche le chazonnich. Il préfère ne pas faire comme le chazonnich. Il préfère prendre en considération le chazonnich. Rav Meloul, et donc il dit même clich-clichy, si c'est très chaud et tout. Même Michel Bekalabichou. Avalani, il est ani ou dati. J'étudie un peu le sujet, j'ai vu que la majorité des postes qui me permettent, donc on est obligé de prendre en considération le chazonnich. Donc clich-clichy, on est mekel. D'accord? Moi, si tu veux. Hein. Il rouille clich-clichy. Ah, il rouille mi clichéni. Ouais, on a dit que c'est pas comme clichéni. Je mets mon coup de bouche, je mets dans un verre, après je mets dans un troisième verre, après je mets mon sachet. Ou même tu verses du deuxième verre sur le thé, si tu veux aussi. Il rouille mi clichéni aussi, c'est pas vachel. T'aimes bien ça, toi, ou pas? Non, bah, je suis en culture. Non. Maintenant, je suis en trois fois. Je pensais que le c'était deux. L'initiation Alors, de deux. le café en grain ou en poudre est grillé légèrement lors de sa fabrication, mais pas vraiment cuit dans un liquide. Donc, on parle du café turc ici. Ouais. On parle du café turc ici, c'est pas lyophilisé, si tu veux bien. Tu vois bien, il t'explique en français. Comment on peut mieux faire que ça, David? Non, il commence par le café en grain. Et c'est quoi en grain? C'est Hein, pas le c'est tien, ouais. le Nescafé, c'est pas le Mais tien. non, en grain, c'est pas en grain. C'est Hein, pas c'est en les grain. petits grains, c'est les petits grains. Marco, essaie d'aider ton camarade. C'est pas en grain. C'est pas en grain. Nescafé? Mais non. Pourquoi c'est le Nescafé? En grain, il y a des grains de café, des grains. Ah Pas ouais. de la poudre. Grain, Oui, mais quand grain, des grains de grain. grain, c'est Des le grains café, de blé, c'est des le grains de café. Nescafé, c'est le Nescafé. Non, non. Le Grain, turc, c'est c'est. du de la poudre et le Non, grain, c'est. non, Bah, non. attendez. Le turc, c'est de la poudre. Et Ouais. en grain, c'est carrément. Je sais pas comment on le boit avec ça. C'est le Nescafé, voilà. Mais non, c'est pas le Nescafé. C'est pas dans la Nescafé, c'est langue. lyophilisé. Il est mévouchal, le Nescafé. Il est mévouchal. Ils ont fait un café et ils l'ont lyophilisé. Mais là, il n'est pas lui mévouchal. Il n'est pas mévouchal. Il t'explique. Je ne sais pas comment. Je sais pas quoi faire avec toi, David. C'est fini. C'était bien hier. Je ne sais pas comment on le prépare le café en grain, Shabbat. Je ne sais pas de quoi il parle. Ouais, ouais, je sais pas. Mais en poudre, il dit grillé légèrement, torréfié, moulu. Mais pas vraiment cuit dans un liquide. Alors, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Réfléchis, il fonctionne. Actionne le truc. J'étais dans ma tête, j'avais Ah, mais lis les mots, deux oublie la tête, types oublie de la tête. café, La tête est le embrouillée. Nescafé ou le Turc. Tu vois bien, c'est pas vraiment cuit dans un liquide. Le lyophilisé, il est cuit dans un liquide. Comment il peut t'expliquer mieux que ça? Ainsi, la plupart des étudiants ne permettent pas de préparer ce type de café durant Shabbat qui, que dans un troisième ustensile, craignant qu'il ne cuise même dans un clichéni. Certains vont jusqu'à défendre un café pour n'importe quel ustensile que ce soit. Ça, c'est raisonnable, je Ouais. crois. Ah, il permet de verser de l'eau chaude provenant de la clé des richoses pour le café soluble lyophilisé. Voilà, David, enfin, enfin. Ah, Oh, voilà. réel, Boréal. Alors, t'as contaminé qui? Ah, je sais pas, donc, là, ça... C'est ton genre? Donc, là, ça, non. Si, voilà. Je sais pas qui c'est que j'ai contaminé. Aïe, aïe. Mais Marco, tu restes solide quand même. Non, décisionnaire recommande d'introduire le café Il est soluble. permis de verser de l'eau chaude provenant d'un clirigène sur le café soluble lyophilisé. Ça a été évoqué plus haut concernant toute poudre instantanée. Toutefois, plusieurs décisionnaires recommandaient d'introduire dans un deuxième ustensile l'eau chaude et seulement ensuite ajouter le poudre levée. Et pourquoi alors? Il dit, les filles à Douala nous café Names, ou Nimas, ou Gvar, Mevouchal, ou Meyouvache. Ven bichou har bichou beyavesh la chem mutar litno bekli chez nuit et fleur et mes clés rishon mais comme la tire mais comme l'eau et nous les khatri la bekneshon des schéma et ne mouchal kol tsorko val beirouy lika les mechash lui dit peut-être que le café lyophilisé il n'est pas complètement cuit
Ils ont laissé un petit peu pour que tu finisses la chose en versant de l'eau bouillante dessus, dit peut-être. Ouais, ils ont un problème en réalité de connaissance de la réalité de la chose, quoi. Peut-être il le grille après, peut-être il n'est pas complètement cuit. Donc ils ont peur. Ils ont peur. Alors ils disent bien que mes caradines, on pourrait faire du café dans Cliricheron. Mais comme on ne sait pas exactement comment ils le font, on fait Clichéni. C'est quoi cette grimace? Fais-le vérifier. Cache-pot, t'allais sur quoi? Alors quoi? Alors quoi? Cette marque, elle fait comme ça, et cette marque, elle fait comme ça, et cette marque, elle fait comme ça. Ça. Ah, dis-le, moi! T'es trop fort, toi, Jonathan. Tu devrais venir à Bazas tout révolutionner. Va, au lieu de critiquer. Voilà, en tout cas, c'est comme ça. Tu veux vérifier, va vérifier. En tout cas, hein, ils disent, c'est pas des rigolos, c'est leur Letzion, c'est le chemin de Shabbat Kelcheta, c'est leur Chod Shabbat. Hein? Ils disent, c'est mieux, okay, super de faire dans un cliché ni. Hein? Toi, qu'est-ce que tu fais, toi, dans ton café, pour ton café? Alors, c'est quoi ta question? Maintenant que tu as le corona, tu peux prendre un petit café, quoi? T'es fatigué, non? T'es KO? Faut que je parle un peu moins fort, ouais. Et j'ai pas compris. T'aimerais bien prendre du café, mais tu digères pas ça? Ah, bah, tu sais ce qu'on fait contre le goût du café? Hein? On met beaucoup d'eau. Sans mettre la poudre. Et t'as mis la poudre? T'as mis la poudre? Ben voilà, ça. Moi, je faisais pour le café turc, je mets dans le kilishlishi, je mettais de l'eau et après je mettais la poudre. C'est pour moi ça ou c'est pas la peine? C'est très très bien. C'est peut-être comme ça? C'est Très peut-être très une bien. bonne idée. N'est-ce qu'on marque mire, mais c'est très très bien. Ne pas laisser le café au fond, je mets de l'eau après. On met de l'eau et après on Mettre met le café au fond, mettre de l'eau après. la poudre. C'est plus facile pour le café turc qu'il y a plus la descente. On l'a laissé avec mon Alors frère. qu'est-ce que je vais faire? Alors, ça y rouille Mickey les génies alors. J'ai dit. C'est Et quoi? après, dans le troisième, je mets de l'eau chaude, je verse dans l'eau chaude et après, je mets mon café Mais dedans. non, il écoute pas, il écoute pas, Marco. Pourquoi? C'est vous qui m'avez dit de faire comme Marco. ça. Non, le problème, c'est que comme il n'est pas venu hier, alors on s'est habitué à un certain confort, un truc. Et là, on a du mal à reprendre comme ça, d'emblée. Plus tu reviens pas demain. Non, je fais le pont. Pourquoi t'as pas fait le pont aujourd'hui? Ouais. Ah, ça faisait un bien. Marco, essaie d'expliquer à David. On l'a dit aujourd'hui, je sais pas, il retient J'ai pas. Marco pour le turc, vas-y. On vient de dire Pour le aujourd'hui. Barlès. Non, mais le chenille, ouais. Et tu verses pour le turc. Dans un troisième verre? Ouais. On met directement sur le café de tour en bas, il fallait mettre de l'eau et après le café. On vous l'avait dit, Rambochet, vous l'avez dit comme ça. Ouais. C'est moins bon pour le café, descend moins bien. Pas grave, si je ne fais pas. Oui, On peut verser le café chine directement sur la ouais. poudre. Au café turc. Vous validez, Rocher? Il semblait qu'il y avait une idée de faire comme un abbé. D'ailleurs, 2 jours de suite, j'ai payé chez les femmes, ils n'ont pas fait ta femme. Mais la paye aussi. Alors, il a dit pourquoi aujourd'hui? La filière, c'est on l'a annoncé, mais aujourd'hui, c'est la fête de la Guimara. Il y a 2 jours d'ailleurs. 2 jours, ouais. Regarde. C'est la. Je sais pas, c'est la.
Du Balatania. Balatania, c'était. Vous n'avez pas fait Tachanoun aussi, non? C'est rapport. Je sais pas, moi j'ai pris avec eux deux jours de suite sans Tachanoun. On peut sortir avec une alarme précise, on va manger, s'il vous plaît. Julien, comment tu fais pour boire ton café et Shabbat? Mais tu mets la poudre et tu mets de l'eau après, ou tu mets de l'eau et après tu mets la poudre? Il paraît que c'est une. On est marmire de Yeru Mitli Rishon. Il demande est-ce qu'il y a aussi Yeru Mitli Sheni, Kekli Sheni ou Kekli Shishi? Yeru Mitli Sheni, c'est comme Kli Sheni? Vous savez que Yeru Mitli Rishon, c'est pas comme Kli Rishon, parce que c'est ma chaîne qui déclipe pas, c'est moins. Ouais. Est-ce que Yeru Mitli Sheni, c'est moins Kli Sheni? Ouais. Alors c'est quoi? C'est mes vachelles Bekalebichoul, Yeru Mitli Sheni, c'est la question, en bon français. Ah, il y en a qui sont marmire de Héroïne et Clichéni, je vois. Ouais. Yesh poskim shekadou chez Moutal et Ten Kelabichou et Clichéni. Et Dafka Clichéni ou Héroïne et Clichéni me vachelim et Kelabichou. Ouais, donc il faut mettre ma mâche dans Clichéni, David. Ouais. Et pourtant, on a dit ça, Marco, hier, nous. Ouais. On a parlé du héros Mikli Sheni, c'est dans quoi? Kalebichou. Bachel. École Maha, la chaîne. Non, ce n'est pas explicite. C'est pas... Alors, c'est Marloquette, Julien. Est-ce que c'est Doraïta ou pas Clichéni, hein, dans Kalevichou? Voilà. Quoi? Bon, allez, mes amis. Donc, c'est ça qu'on a dit. Donc, on voit que ceux qui sont marmires de Kalei Abishoul, là, il est marqué dans Rosh Shabbat, c'est pas uniquement de mettre dans un clichéni, il faut être marmire. Même Irui mi clichéni, il faut être marmire. C'est uniquement arrivé. Le mettre ce truc-là dans Klishishi. Et même dans Klishishi, il y a Shmarmirim. Le Chod Shabbat, je vois qu'il est marmir, même dans Klishishi. Shelishi. Mais la plupart des postes qui me sont disent Klishishi, c'est bon. Donc je vous permets Klishishi. De mettre dans le Klishishi. Shelishi. Allez, Zéou. Donc on continue notre feuille.